Fabrice Luchini était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine ce lundi soir sur France 5 afin de présenter le mystérieux Henri Pic, l'adaptation cinématographique du roman de David Fianchino. L'acteur est ce que l'on appelle un « très » bon client à la télévision et les téléspectateurs de France 5 ne diront pas le contraire après sa prestation très remarquée ce 4 mars en direct. Après avoir célébré les femmes et notamment l'animatrice de C'est à vous, à sa manière, Fabrice Luchini en a perdu son latin à l'arrivée de la top modèle Naomi Campbell, présente à Paris pour la Fashion Week. Une rencontre qu'il a mis dans tous ses états. Point à l'arrivée de Naomi Campbell, Fabrice Luchini se lève immédiatement pour l'accueillir puis ne sait littéralement plus où se mettre, je la mets où là, à ma place moi, je suis complètement éjecté, avant de s'enthousiasmer face à la célèbre mannequin. Ah, c'est énorme tu sais pour nous c'est bouleversant de vous avoir, a-t-il lancé. Lorsqu'Anne-Elisabeth Lemoine finit par présenter le comédien à Naomi Campbell, Fabrice Luchini se sent alors pousser des ailes. Mais c'est incroyable. Je sais que face à vous, je suis un pathétique régional. Mais vous, elle rit, elle est géniale, c'est énorme comme rencontre, a estimé Fabrice Luchini avant de demander de prendre congé. Je vais vous laisser, je vais partir au théâtre, déclare-t-il avant d'être repris par Anne-Elisabeth Lemoine. Fabrice, vous permettez? Il nous reste encore une minute. Je ne veux pas vous embêter. Je dois aller jouer, s'est excusé l'artiste de 67 ans. Rattrapé à plusieurs reprises par l'animatrice, l'acteur aura créé un vrai moment de malaise sur le plateau avant d'être, enfin, libéré par l'animatrice. Cette fois-ci vous pouvez partir Fabrice, et l'acteur de saluer Naomi Campbell, je suis bouleversé de vous avoir rencontré.